ressuscité. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir aujourd'hui, sur le parvis de cette cathédrale, où je viens de célébrer la messe de Pâques, je suis heureux de vous souhaiter une bonne et une joyeuse fête de Pâques. La joie de Pâques, vous le savez, ce n'est pas une joie superficielle, c'est une joie intérieure, c'est une joie profonde. Et c'est vrai que cette année, elle est empreinte d'une certaine gravité en raison de cette pandémie qui nous touche durement. Et je voudrais aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, rejoindre particulièrement celles et ceux d'entre vous qui sont particulièrement touchés, affectés, peut-être abattus aussi par les épreuves d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'épreuve, mais vous savez, c'est précisément dans l'épreuve que notre espérance chrétienne prend tout son sens. Cette résurrection du Christ que nous venons de célébrer, elle est une victoire. Elle est la victoire sur toute mort. Et c'est pourquoi elle est la source de notre espérance. Elle est aussi le gage de notre propre résurrection. Vous voyez, frères et sœurs, je crois que chacun d'entre nous, nous aspirons à un bonheur immense, un bonheur infini. Il ne faut pas mettre un couvercle sur ce désir de bonheur qui est en nous. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un rêve. La vie éternelle, c'est-à-dire le bonheur infini, la vie éternelle est offerte à celui qui fait le choix du Christ. Et je crois que cette crise que nous traversons, frères et sœurs, peut être pour nous l'occasion, je dirais, de lever la tête du guidon. Je crois que nous nous sommes laissés entraîner dans un système basé sur la consommation où nous nous occupons surtout d'acheter, de posséder, de consommer, de nous distraire. Et non seulement nous polluons la planète, mais en plus, nous oublions ou nous risquons d'oublier le sens de notre vie. Je crois que cette fête de Pâques, au cœur de l'épreuve que nous vivons, nous rappelle le sens de notre propre existence. Notre vie terrestre est ce temps qui nous est donné par Dieu pour préparer notre avenir, notre éternité, pour dire si oui ou non nous voulons de cette vie éternelle que le Seigneur nous offre gratuitement. Frères et sœurs, la vie est courte, ne la ratons pas. Faisons le choix aujourd'hui d'accueillir le Christ dans notre vie. Et lorsque nous accueillons le Christ dans notre vie, alors beaucoup de choses changent. Il vient remettre les priorités dans le bon ordre. Il vient nous recentrer sur l'essentiel. Et avec lui, nous nous rendons compte qu'au fond, une seule chose importe vraiment, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que nous préparons notre avenir, que nous préparons notre éternité, car la vie éternelle, c'est l'amour. Alors voilà, frères et sœurs, n'ayez pas peur, accueillez le Christ dans votre vie, il est avec nous dans cette épreuve, il est la source de notre espérance. Encore une fois, je vous souhaite une bonne et une joyeuse fête de Pâques, et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 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 Bonne fête de Pâques.